Salut à tous les abonnés, bah pour cette nouvelle vidéo on va jouer à du Life Fallen Order. Voilà, bah alors on était coincé là dans l'épisode 3, hein, vous vous rappelez pas? Non. Ah voilà, bah après on a appris à faire ça. À la fin de l'épisode 3 on avait appris à courir sur les murs. Ah, voilà, on avait appris à faire ça. Hein. Allez, voilà, on a trouvé le temple. Ah, il court plus vite, hein. Il court plus vite, bébé 1. C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. Et go. Là, on interagit de tous les côtés. Allez. Hop. Elle est ouverte la porte. Allez, allez, un autre truc, mais ça c'est la méditation, c'est pour les points de compétence. Non, ouais, j'en ai un. Non, je vais pas dormir. Arbre de compétences. Ah oui, j'en ai 0. Yes, tout touché fort. J'ai fait un arc de cercle. Ouais, bah maintenant j'en ai 0 alors. Allez, on y go. Impressionnant. Ok. Bon, bah là on va scanner ce petit truc. Oh là là. Ah, oui, gay là. Que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre de Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensible à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages. Et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Efo autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Efo. Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Oui. Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Céré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé, hey, tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis? Bon,
Bon, bah, la cinématique est finie. On y go. Et il faut retourner au vaisseau, c'est ça? Chercher le tombeau. Ah non. Ah là là, on passe par le petit trou. Ah, c'est bon. Alors, on va où là? On va où? Je n'ai aucune idée. Ah si, attendez. On va scanner un petit truc là. T'as trouvé quoi? Ok. Inscription. Ok. Et qu'est-ce qu'on en fait du tombeau de vaisseau et tout? Ouais, on en fait rien. Ok. Bon, on y go. J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons. Et dans la mare, génial. Oh punaise. Oh punaise. On a intérêt de se dépêcher. Bon, il est parti, non? Si. Il est invincible, beaucoup là. Oh là là. Il faut aller où? Ok. Bon, allez. Cette fois, c'est la bonne. Ouais, bah je vais mettre tout ça dans les playlists. Tranquille. Ouais. Bah. Comment dire? Que les playlists, comme je vous rappelle, elles servent à quelque chose. Ah, fallait où là? Le truc rebelle, il est là-bas. Il faut rentrer au vaisseau. Et bah ça, je sais pas si je vous en ai parlé. Mais après, c'est ça qui est impossible. Là, tu sais même plus où t'es, par où t'es passé. Ah, tu sais même plus si c'est encore valide. Donc bah, t'es cuit. Bah oui, oh, c'est là. Oh bah mince, où il est le vaisseau? Bah j'en sais rien où il est le vaisseau. Donc bah, ça va pas le faire. Si on va passer par là. Non, si. Oh non, sa langue. Oh non, qui m'a relâché. J'ai pas envie de me faire tuer, moi. Ouais, bah après tu sais même plus où faut passer. Oh là là, ça va être impossible. Comment retourner au vaisseau? Très bonne question.
Excellente question, même. Ah, faut peut-être... Non, faut pas passer par là. Si. On peut pas passer. Comment on fait? Ah oui, il faut tout faire le contour. Ok. En fait, on revient au début. Non, it's not possible. Oh. Bon bah. Je vais essayer un peu de trouver. Ouais. Bon bah, qu'est-ce qu'on peut faire là? Je sais pas du tout. Quand même, déjà Fallen Order, il y a déjà des gens qui l'ont testé. Ça se passe bien de ton côté, BD1. Moi, je dis que quand je regardais en vidéo, bah, c'est pas si mal. Mais tant pis après. Bon, encore une nouvelle tentative. Et c'est la bonne. Oh là là, merci. Allez. Mais oh là là, merci. Ce sac appartenait à quelqu'un de Coruscant. Cette personne en voulait au Conseil Jedi. Ok. Bon bah, on va où? Ça nous a mené à rien. C'est nul. On n'a pas encore le côté obscur pour attirer les objets. C'est quoi ce truc? Ah non! Alors on y va là. Ouais, on y va. Ouais bon, on y va, hein. Ah, une caisse, ça c'est cool ça. Quelque chose d'utile ? Ça c'est cool. Et en plus, c'est un truc pour mon sabre laser. Encore plus cool. Bon ben, on n'est pas encore arrivé au vaisseau. Il y a quelques possibilités. Bah, deux chemins, mais je crois qu'il y en a un seul qui va. Je crois qu'il y en a un seul qui va marcher. Oh, punaise.
Ouf. Allez. Merci. On va où là? Bon, on est en hauteur, mais ça s'est redescendu. Génial. Bon. Vite, allons-y. Non, on sort d'ici, ça sert plus à rien. On peut aller là. Non. Non, c'est trop loin. Non. Mais il faut qu'on arrive là-bas. Mais oui. Bah là-bas, bah je suis bête. Ah bah ça va être dur. Ouais, il faut partir d'ici. Je saute. Allez, on y va, je pense. Non, pas encore. Ok, génial le drone. Bon bah, le combat, on l'a gagné. C'est scarabée. Ah, c'est bon, enfin bon, ma balle. On va le scanner et après on y go. Beau travail. Tu peux pirater ça? Ah, navré pour ton connecteur. Faire face à ce bograt, fallait oser. T'as trouvé quelque chose, BD1? Ouais, je pense qu'on va descendre à la tyrolienne. Ouais, je pense ça. Ouais, allez, on y va. Ouais. Allez. Voilà, on va pas descendre en bas. On peut pas. Comment y aller? Là, c'est sûr, s'il faut découvrir un chemin pour y aller, ça va être très très dur. On pourrait peut-être passer par là. Ouais, bah d'abord, il faut rejoindre la grosse passerelle. Par ça. Ça va être dur, je ne promets rien. Enfin, j'espère que on va réussir. Ouais, après on y va. Ouais, bah, ça va être fastoche.
part si on passe là. Ouais, ouais. Non, faut pas descendre. Non, non, non. Non, on l'a déjà fait. Non. Non. Là, on est très bien ici. On est très bien, on va se retourner. Voilà, on va passer par là-bas. Pour réussir. Allez, go, on y va. Allez, on y va. Non? Oh là là. Allez, ici, on y va. Allez, go. Voilà. Non, mais parce que en fait, là, je rajoute du son et je sais comment faut y aller, en fait. Et bah, en fait, là, avant, je savais pas. Et là, vu que je rajoute le son, et ben je sais qu'il fallait y aller par ici. Punaise, il va nous tuer vite, vite, vite. Je sais pas moi, saute sur un côté, saute par là. Voilà. Ouf. Ok, bon bah, je pense qu'on va prendre le truc facile à faire. Voilà, faut aller là-bas, et à là-bas, bah, il y aura le raccourci du début. Ouais bah. Comme par hasard, j'y vais pas. Mais allez, vas-y. Allez. Beau travail. Clément. Bah. C'est sûr, pour rajouter le son. Comme ce que je fais là. Ah non, tu vas pas sauter. Non, t'es intelligent. Ouais. Pour rajouter le son, et bah. Comment dire. Bah là je m'aperçois qu'il y avait plein de trucs qu'on voyait que bah comment le faire et que moi j'ai galéré un peu pour y aller. Allez, on ouvre la porte. Encore un scan. D'abord bébé 1 veut faire des choses, on le laisse. Mon ami, il semble que les effets portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Bon bah allez, on passe par la porte et on y va. Comme par hasard, bah, on retombe au début. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est bête, hein, je sais, c'est bête. Bah moi, je galérais, moi. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Je galérais pour rien. Voilà. Allez, go. On va où, là? Non, c'est pas. C'est si, c'est par là. Non, là on s'éloigne. Bah, c'est pas où. Hein, bah, faudrait savoir.
Voilà, c'est par là-bas. Donc, on va prendre la petite tyrolienne. Qui va nous mener. Non, qu'est-ce que je fais là? Non, 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 c'est bon. Bah, bébé, hein, il regarde quoi là? Espérons que ce soit par là. Ah, c'est bon, votre vaisseau, allez, c'est vaisseau ça. Oh, merci. Oh, merci. Allez, on prend la petite tyrolienne. Comme ce qu'on a vu dans les cartes. Non, passe pas par là. Je sais pas, moi. On va peut-être pas. Non, ça, on peut pas. Non, on peut pas. Bon, bah, je pense que on va tester la tyrolienne. Hein, pour un peu de dépit. Allez, go. Bah, c'est sûr, si j'arrive pas à prendre une tyrolienne. Allez, go. Là, faut se préparer. Faut sauter, grimper. Ok. Concours. Oh. Allez, c'est tous la bonne. Allez, go. Oh, j'y crois. J'y crois. Ouais. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Non, on va pas les tuer, c'est bon, allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais, bébé, hein? Allez, go, come on. Allez, c'est bon, on va tout lui expliquer, hein. C'était galère. Pour BD1. Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut, Grise. C'est quoi, ça? Vire de mon canapé. Ouch, descends de là. Allez, fiche le camp. Allez. Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, calme. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses Efaux. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté? Ok, ok, bon, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse un peu de cinématique et après je vais. A changé mon point de vue. J'ai dû. Okay. Rompre mes liens avec la force. Ok. Mais vous voulez reconstruire l'ordre? Je crois que reconstruire l'ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Sûr, ça. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup de choix. Tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? Ouais, bon, allez. D'Atomir ou Zefo, c'est toi qui décide. Ok, ok, bon. Bah, c'est la fin de la vidéo. Allez, je vous dis bye bye. Et pour la prochaine vidéo de Jedi Fallen Order, allez, regardez dans les playlists, vous allez tous les voir.